à Pascal. En tout cas, que j'appellerai Pascal, ça ne vous dérange pas. Je voulais remercier les membres du Press Club qui sont ici présents aujourd'hui. Remercier également le Bifort qui nous accueille aujourd'hui. Donc pour accueillir ce sexologue qui était parisien jusqu'à il y a 2 ans, qui vient donc de s'installer il n'y a pas très très longtemps à Nice. Il était urgentiste à Paris et il s'intéresse donc à la sexologie aujourd'hui, après avoir touché différentes disciplines de l'art de la médecine. Mais il me disait au téléphone avant-hier qu'il considérait que la sexologie était au carrefour, pour reprendre son expression, de nombreuses approches thérapeutiques qui mêlent neurosciences, biologie, psychologie. Donc ça me semble particulièrement intéressant et riche aussi. Donc on va essayer d'avancer avec Pascal assez rapidement pour évoquer de très nombreux sujets. L'organisation du Congrès international de Gilles Monaco, qui, comme vous le savez certainement, en tout cas pour les journalistes de la Principauté, ici présent, est coordonné par Charles Namanovici, qui est ici présent aussi, que vous connaissez évidemment, brillant et gynécologue ce soir, à côté duquel vous avez également M. Boruto, qui est gynécologue. Et il a animé aussi l'émission Parlez-moi d'amour, donc il va aussi nous parler d'amour, et il a également travaillé sur les addictions sexuelles. Il va nous permettre de parler de M. DSK, je ne sais pas s'il est addictif, mais en tout cas, voilà, je fais un saut dans l'actualité. Au départ, on voulait faire ce déjeuner uniquement à l'occasion de la Saint-Valentin, c'est un peu ce qu'on appelle dans notre jargon un marronnier, et le marronnier s'est transformé en actualité chaude, si j'ose dire, avec d'une part DSK et par ailleurs les 50 nuances de Grey, qui après avoir été traduit en de très nombreuses langues et publié en un nombre d'exemplaires qui laisserait jaloux n'importe quel romancier d'un best-seller, qui tourne autour des relations avec le sexe. Et ensuite, on va évoquer des sujets un petit peu plus intimes où je vous laisserai donc bien volontiers la parole. Là aussi, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se plaît dans ce film, dans une histoire un peu banale d'une midinette qui tombe amoureuse d'un homme plutôt riche, et avec lequel elle entretient des relations SM. Qu'est-ce qui peut intéresser ce nombre de lecteurs absolument, ou de lectrices, je ne sais pas, absolument incroyable. Je laisse donc le micro au docteur Benoît. Toutes et à toutes, merci Joël de votre présentation. Merci au Press Club de m'inviter. Effectivement, donc, je me présente, je suis le docteur Pascal Benoît et je suis médecin sexologue à Nice. Et je dirais que mon approche est une approche en termes de prise en charge et de travail intégrative, avec une approche psychologique, mais aussi médicale et comportementale pour la compréhension de la sexualité humaine. Voilà. Alors, 50 nuances de Grey, effectivement, personnellement, déjà, je serais en difficulté de bien en parler parce que je n'ai pas lu la totalité du livre, j'ai pu lire simplement des passages. Il est exact que c'est un livre qui a été vendu à 100 millions d'exemplaires, mais je disais tout à l'heure aussi à Joël qu'il y a aussi des centaines de millions de femmes qui ne l'ont pas lu et qui ne souhaitent pas le lire forcément. Ça, c'est ma première remarque. Après, sur le contenu du livre et les quelques passages que j'ai lus, donc c'est un livre où effectivement est abordé certains codes d'attraction sexuelle, c'est comme ça qu'on dit, évidemment, vous le savez toutes et tous, de soumission et de domination. Dans cet ouvrage, et fort logiquement, on est dans un domaine où l'imaginaire, vous le savez, évidemment, est très important quand on parle de sexologie ou de sexualité humaine. C'est l'une des sources d'excitation et de réponse réflexe du corps humain, et certaines personnes peuvent avoir ces codes où les lieux libertins, etc., peuvent donner l'idée ou l'image de personnes, je dirais, sexuellement compétentes. Alors que bien souvent, les personnes qui s'enferment dans des codes que l'on appelle limitatifs ont en fait des difficultés sexuelles. Finalement, érotiser la sexualité par des codes comme la soumission et la domination, ça peut être une petite fantaisie d'un soir. Et puis si ça devient la règle pour que la sexualité marche, ça devient une limite.
tout comme le fétichiste à la chaussure, dont vous avez évidemment entendu parler, mais qui lui est nettement moins glamour et d'image positive, comme peuvent le véhiculer certains clubs aux pratiques, je dirais, scénarisées, sadomaso, parce que dans la réalité, il ne se passe pas souvent grand-chose. À mon avis, ce livre, il plaît beaucoup, pas tant parce qu'un glaçon glisse sur un dos ou un coup de fouet ou une claque aux fesses est donné à l'actrice ou à l'héroïne du livre. Il plaît beaucoup parce que c'est un livre qui parle de manipulation mentale. Et je pense que c'est aussi un livre, tel un thriller, qui donne beaucoup d'envie au lecteur quand il le débute à ce niveau-là. Enfin, moi, j'ai eu cet écho-là de la part de certaines personnes, et puis d'autres vont y trouver quelque chose de croustillant. Mais ce n'est pas forcément une sexualité très érotique et très élaborée. Le masochisme qui est évoqué dans ce livre, vous me le disiez, à la fin de l'ouvrage, c'est la manipulée qui devient manipulatrice. Est-ce que les patients que vous rencontrez qui sont dans ce registre-là jouent à intervertir les rôles ou est-ce que tout le monde est toujours l'un manipulé et l'autre manipulateur? Alors, très honnêtement, ces personnes qui vont utiliser ces scénarios, ces scripts pour vivre leur sexualité viennent assez rarement nous consulter. Hein. C'est pas un médecin sexologue voit des gens, entre guillemets, avec une sexualité ordinaire, hein, la plupart du temps. Ils viennent nous consulter quand il y a une difficulté conjugale, quand il y a une menace de séparation de leur sexualité. Et quand ils abordent justement ces pratiques, leur attitude, elle est rarement des condamnés. Hein, leur attitude est plutôt d'essayer de séduire le thérapeute face à eux en leur disant combien les choses se passent bien ainsi et que c'est très bien et que tout le monde devrait faire ça. Dans la réalité, votre question c'est est-ce que les rôles s'inversent ? Très honnêtement, non. Effectivement, il y aura un dominant et un dominé ou une dominée. C'est mon constat clinique, mais là encore, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations, mais encore une fois, il y a encore des degrés très différents en termes de pratique entre le petit jeu costumé du samedi soir et des pratiques obligatoires et obligées dans ces codes de soumission-domination ou l'escalade vers vers la douleur, hein, certaines fois, peut être importante. Indépendamment de l'affaire judiciaire, évidemment, et parce qu'on est entre nous dans un cercle fermé au cadre, dans le cercle de cette association, qu'est-ce que vous pensez de ce que retiennent les médias sur sa sexualité? Justement, en tant que sexologue, je pense que les médias retiennent finalement, enfin les médias, le public aussi, hein, et notre société, notre culture, retient assez peu de choses en termes de sexualité sur DSK. DSK, à ma connaissance, n'a jamais, dans ses différentes affaires, été expertisé par un sexologue et n'a jamais été évalué sur sa sexualité réelle. On évoque beaucoup de choses à son sujet. Pour ma part, c'est délicat de parler d'une personne que je ne connais pas. L'impression ou les impressions que je peux avoir sur DSK, c'est, je dirais, étonnamment, j'en suis désolé là encore, une sexualité très pauvre et très limitée, puisqu'on est encore une fois dans le registre dominant-dominé ou soumission-domination, peut-être. Hein. Ce qu'on constate, c'est surtout, au vu des différentes affaires, c'est qu'il y a des notions ou des hypothèses d'actes de violence. Donc, je pense qu'au niveau sexologique, ce qui serait important d'évaluer chez DSK, c'est son histoire, son développement sexuel et ses codes dans son fonctionnement, parce qu'on voit que c'est un homme qu'on pourrait, définir comme un homme qui aime le sexe, joliment, alors que dans la réalité, on pourrait dire aussi c'est un homme compulsif, qui vit des fortes tensions, des fortes charges émotionnelles, et qui a besoin d'assouvir par sa libido, de soulager ses tensions par des actes sexuels répétés dans des scénarios toujours les mêmes, très précis.